Bourne. כל הנשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים הודו המתגאה על חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חיסו חסד ורחמים כבודו טובים מאורות שברם אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבור הנתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלכותו קרא לשמש ויזרח אור והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה סרפים וחיות ואופניה de la Tefila du Shabbat, rajout, on pourrait dire, dans les bénédictions, la première bénédiction du Shema du samedi matin. Et cela m'invite à cette réflexion avec le Aleph, le Lamed, qui forme le nom de Dieu. Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30. Ce 31 a une dimension très particulière, parce que quand on va prendre le Sefer HaChinour, le livre des 613 commandements,
qui existe en français au passage, la 31e mitzvah, c'est justement la mitzvah du Kiddush, de sanctifier le Shabbat avec des paroles à son entrée et à sa sortie. C'est Zahor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, c'est le verset source, et c'est le verset qui nous invite donc à la mitzvah du Kiddush. Mitzvah 31. Le Bnei Issachar, dans ses commentaires sur le Shabbat, nous fait remarquer qu'il y a une règle forte, qu'il y a un lien très spécial entre l'endroit où Dieu a ordonné une mitzvah et le sens de cette mitzvah. C'est pas par hasard que c'est la 31e mitzvah, que c'est dans la paracha Yitro, passage 17e paracha, et c'est tout un programme. Et l'étude du Sefer Achinour en fonction du positionnement de chaque mitzvah peut être une source de réflexion et d'inspiration extraordinaire, nous dit le Bnei Issachar. Ainsi, le 31, pour être sur son 31, non, c'est pas ça, le Kiddush, qui est donc la 31e mitzvah, fait référence à ce que dit le Harizal dans le Pérez Tzraïm, qui est ramené donc dans Rabbi Chaim Vital, qui nous dit que le Shabbat est composé en fait de 31 heures. Non, c'est pas 25, 26 heures, non, c'est 31 heures, d'après le Harizal. Comment on retrouve ces 31 heures? En fait, il y a les 6 heures qui précèdent le Shabbat depuis Chatzot, depuis le milieu de la journée du vendredi, où on a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, parce que c'est dans l'approche du Shabbat. Il y a l'atmosphère du Shabbat, hein, il y a l'émission, voilà, on est dans la perspective de l'entrée du Shabbat. Et puis, il y a les 24 heures du Shabbat, ça c'est évidemment. Et après Shabbat, on a encore une heure de la sortie du Shabbat pour faire le quatrième repas du Shabbat, qui est le repas du roi David. 31 heures du Shabbat, c'est 31 heures, c'est très particulier parce que on nous dit que quand les enfants d'Israël devaient rentrer sur la terre d'Israël, terre des sept peuples, comme sept, comme le Shabbat, qui est le septième jour, il y avait 31 rois. Les 31 rois qui sont le symbole d'une impureté. Et quand on renverse toute cette dimension de ces 31, en fait, on se rend compte que c'est l'amorce des 13 attributs divins de miséricorde, 31-13, mais la première mida, le premier attribut des 13 attributs divins, c'est quel? C'est quel? Rahum v'chanun. Alors, cette dimension de quel est très très puissante, parce que dans le traité Megillah, on nous dit que Dieu a appelé Yaakov El, suivant ce qui est marqué dans Bereshit, chapitre 33, verset 20, Vaikra lo El Elohi Israël. Et il a appelé El Elohi Israël. Et Yaakov, qui a un lien spécial avec le Shabbat, puisque on dit que le Shabbat nous donne un héritage sans limite, c'est l'héritage de Yaakov. Belimetsarim, ou Farasta Yamavakedma, tu vas t'étendre à l'est, l'ouest, nord et sud, sans limite. Et c'est ce qu'on nous dit au chapitre 33, au verset 18, Vayavo Yaakov Shalem Irshechem, que Yaakov est arrivé entier, Shalem, comme Shalom, comme dans le Shabbat Shalom, Irshechem, dans la ville de Shechem. Vayichan et Peneir, il a campé devant la ville, et Rashi va dire, c'était Erev Shabbat. C'était veille de Shabbat, et il a fait rentrer le Shabbat avec le moment du coucher du soleil, et il a fait une troumine de Shabbat. C'est à la fois le fait de faire le repos du Shabbat, Vianoukouvo et Vayachan, c'est la notion à la fois de repos, qui est aussi le lien, parce que le Shabbat c'est le jour où on se ressource, le jour où la Torah nous a été donnée, c'était de la Shabbat, et à Shabbat on retrouve ce chen, cette grâce, comme il est marqué dans la paracha de cette semaine, Vaïchan Sham Israël Negelar, et Israël campa là, face à la montagne, Keishirad Bleverad, avec une notion d'unité, une notion de solidarité, qui est la particularité du moment où on reçoit la Torah, de cette unité, grâce au fait que tous vont avoir grâce aux yeux de l'autre. Ce chen est quelque chose d'important. Et c'est très fort parce qu'on a dit qu'il était la ville de Shechem. Shechem, c'est les initiales de Shabbat, Kala, Malketa. Shabbat, Kala, Malketa. Shabbat, la reine, la reine. Et c'est très puissant cet aspect, parce que on le sort dans un sens ou dans l'autre. Dans un cas, c'est quel? C'est le nom de Dieu.
avec la numérique 31, mais quand je tourne à l'envers, la Médalef, c'est l'eau. C'est tout l'aspect des interdits du Shabbat. Il est marqué l'eau t'a assez, kol melacha, tu ne feras pas tous travaux. Et c'est ce lien avec ce nom de Dieu. Nom de Dieu de quel? Qui est une dimension liée à la générosité. Il est marqué dans les psaumes Chesed el kol hayom. La bonté de Dieu est toute la journée. Et c'est pour ça que Elohim, c'est une dimension de rigueur, quand on parle de Dieu, de Elohim, c'est la rigueur, mais qu'elle, c'est la bonté. Et dans le Chesed, d'ailleurs, très, très intéressant, le Chesed, c'est 72, 72, c'est 3 fois 24. 24, les 24 heures, avec le Shabbat qui a trois fois une dimension par rapport à la création, une dimension par rapport à la révélation, et une dimension par rapport à la libération, à la délivrance. Et c'est quelque chose de fort, parce que quand Moshe avait prié 515 prières pour entrer en Israël, il dit « Hashem mi'el b'shamayim mouvaret », c'est-à-dire « Qui est comme toi ?» Quel Bachamay ou Vares, dans les cieux et sur terre. Quel ce fameux elle, donc lié avec le nom de Dieu, dans le numéro qui est 31, qu'on a donc avec 31 rois, ou celui qui va parachever quelque part l'écart de conquête de la terre d'Israël, c'est le roi David, dont la Seouda, le quatrième repas du Shabbat, eh bien, c'est la Seouda de David Malka Meshira, la Seouda du roi David, alors que les trois premiers repas, celui du vendredi soir, c'est le repas de Yitzhak, le repas du samedi midi, c'est le repas d'Abraham, et le repas du Shabbat après-midi, c'est le repas de Yaakov. On les apprend en fonction des versets, en fonction des moments et de l'intensité des moments. Et le Motzei Shabbat, c'est le repas, le 31e repas, le 31e heure plutôt, pas le repas mais heure, et bien, il est lié avec le roi David. Et c'est très fort, parce que on voit aussi ce principe qui va être lié avec les 13 règles d'herméneutique. Vous savez, Shlosh Esremidosh, Atorani Dreshet. 13 règles d'herméneutique, 13, 31 à l'envers, ces règles d'herméneutique qui permettent d'analyser, d'approfondir le texte de la Torah. Et sur un point, il y a quelque chose de très remarquable. En effet, au niveau de la prière, on nous dit que quand Myriam était atteinte de lèpre, parce qu'elle avait parlé contre son frère, eh bien, Moshe va faire la prière la plus courte de l'histoire. Autant pour rentrer en Israël, il va faire 515 prières, 5, 1, 5. Pour sa sœur, il va faire une prière en 5 mots. Il y a beaucoup de 5 là. Oui, c'est le Shabbat Yitro, c'est pas. Bon, 5 mots. El, na, refa, na, la. Sur ces 5 mots, le premier commence avec El. Dieu, s'il te plaît, guéris-la. 5 mots parce qu'il ne pouvait pas faire une prière plus longue. Et 5 mots qui commence avec elle. Et en fait, il va tenir un calvachomer, un raisonnement qu'on dirait a fortiori. Si pour quelque chose de léger, on a déjà exigé ça, si la chose est plus grave, alors on va au moins exiger ce qu'on avait exigé pour le léger. Enfin, c'est la première règle d'herméneutique, le calvachomer, qui va être en parallèle avec le premier attribut de miséricorde de Dieu, qui est quel. Donc, quel, rachum, vechanun, erech apaim, quel, elle, c'est justement le parallèle du calvachomer. Et à propos donc de la guérison de Myriam, Moshe va utiliser le principe du calvachomer en évoquant une phrase qui commence avec le mot elle, elle, na, refanala. Alors, ça va très loin, parce que on retrouve aussi, par exemple, chez Lavan. Lavan, qui avait poursuivi justement Yaakov quand il était parti de chez lui pour retourner en Israël, et Lavan a dit Yesh le El Yadil Asotimachemra. J'ai la force, Yesh le El Yadil, j'ai la puissance, la force de vous faire du mal. Mais Dieu m'est apparu hier, et c'est vrai, Dieu était apparu, il lui a dit Ishamer lecha. Ben Tedaber, garde-toi bien de ne pas, même pas parler en mal contre Yaakov. Et donc, il va avoir raisonnement à Calvachomer. Si déjà parler ne pouvait pas, à plus forte raison qu'il ne pouvait pas agir, il ne pouvait pas faire. On pourrait dire, ah, c'est juste des paroles. Déjà parler, il ne pouvait pas. Donc à plus forte raison, Calvachomer, ça, le Calvachomer, à plus forte raison qu'il ne pouvait pas agir en mal. Ça, il dit, Yeshlel, il a dit, j'ai la possibilité de vous faire du mal, mais je ne peux pas, parce que Dieu m'a dit de ne pas parler en mal, et donc je ne peux pas
je ne pourrai même pas faire du mal. C'est ce que veut dire le vénérable. Donc on a ici une sorte de variation par rapport à la foi à elle, qui peut être la force, qui peut être la référence à Dieu, qui est la première Mida, c'est-à-dire le premier attribut de divin de miséricorde, en parallèle avec le Calvar Homer, le raisonnement a fortiori, dans cette relation avec le Shabbat. Le Shabbat, la 31e mitzvah d'après le Sefer HaChinuch, placée dans cette paracha de Yitro, qui est la paracha clé de la révélation du Sinaï, 31, qui va être en rapport avec les 31 heures du Shabbat, hein, avec les 6 de préparation du vendredi, de veille de Shabbat, et la 7e après Shabbat, qui va être le moment où on fait le dernier repas après Shabbat, pour accompagner la reine, et les 24 heures du Shabbat 31, en rapport avec les 31 rois qui empêchaient par rapport à la terre d'Israël. Il y a ici, me semble, suivant cet enseignement du Rav Friedman, dans le Shvili Pinchas, un enseignement que je voulais partager avec vous sur la beauté et la grandeur du Shabbat. Notre Père, notre Roi, ouvre les portes du ciel pour notre tefila, notre prière. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous une dernière petite réflexion pour revenir un peu sur la Soudat Yitro. Parce que bon, ce Shabbat, ça, on peut être dans la quantité de cette Soudat Yitro, parce que on pourrait dire que Soudat Yitro, c'est une Souda de remerciement, mais aussi une Souda de Brit Mila. La circoncision de Yitro. Et en fait, au tout début de la paracha, il est marqué que Yitro a entendu ce que Dieu
dans la notion de rigueur. Elohim, Asherasa Elohim, le Moshe, ce que Dieu a fait à Moshe et à Israël, son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé à Moshe au niveau de rigueur? Moshe a failli perdre la vie à cause de la Mila. Oui, il était, vous rappelez, à l'hôtel et il y avait un serpent qui était prêt à l'engloutir parce qu'il n'avait pas fait la Mila à son fils. Et c'est Tzipora qui va prendre l'initiative de faire la Mila à son fils. Mais à quel fils il s'agit? Alors, une opinion va dire que c'était Eliezer qui venait de naître et il ne voulait pas lui faire la Mila parce qu'il allait partir en voyage. Alors, il ne pouvait pas sursoir son voyage parce qu'il était attendu en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et il y avait des milliers de personnes, des millions de personnes qui souffraient, il ne pouvait pas attendre. Et puis, d'un autre côté, déplacer l'enfant après la Mila, c'était dangereux. Donc, il n'a pas fait la Mila de suite et c'était une erreur. Il fallait qu'il fasse la Mila. Deuxième explication, ce n'était pas le dernier qui venait de naître et puis qui nous dit qu'il venait de naître juste au moment où il devait partir. Ça se trouve, il était né bien avant. Mais il s'agit en fait de son aîné, Gershom. Et Gershom qui était l'objet d'une condition qui était avec Yitro. Yitro qui à l'époque était prêtre de Midian et qui avait demandé que le fils aîné de Moshe qu'il ne fasse pas la Mila et qu'il soit consacré à l'Avodah Zara. Et Moshe avait accepté et de ne pas faire la Mila. Voilà pourquoi il ne pouvait pas faire la Mila et quand il s'est trouvé en danger, c'est Tzipora qui, elle, n'était pas engagée sur ne pas faire la Mila à son fils, c'était son fils, hein. Va faire cette Mila. Et Yitro prend conscience de l'importance de cette Mila parce que même pour les enfants d'Israël, ils ont pu sortir d'Égypte que parce que ils ont fait la Mila. Alors lui-même est venu, a rejoint les enfants d'Israël et lui-même a fait la Mila en ce jour. Et la Mila qui va être liée avec le principe de Yosef, c'est Pinchas, c'est lié à Pinchas, c'est tout le principe de Yosod, c'est le 6, c'est le Vav qui a été rajouté à Yitro qui s'appelait Yeter avant, comme dire les premiers rachis sur la paracha, on lui a rajouté le Vav qui est le 6, le vendredi, c'est aujourd'hui vendredi, donc le vendredi lié à la Mila. Et donc en fait c'est une Seuda où Yitro a voulu quelque part rattraper le fait qu'il avait empêché son gendre de faire la Mila à son petit-fils et qui maintenant dit heureusement qu'il y a eu cette Mila et qui lui-même a fait lui-même la Mila et qui il dit dorénavant on fera une Seuda tous les vendredis le vendredi parce que c'est le sixième jour de la création et ce jour-là eh bien on va être dans cette perspective d'une Seuda qui va rattraper la Seuda de la Mila pour toujours avec ce lien de cette relation de cette alliance avec Dieu que Yitro va quelque part percevoir comme une réparation, une teshuva sur son approche. Il va être temps de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbes, Shabbat Shalom, ou me voir un Shabbat merveilleux de révélation de ce Shabbat Yitro, il n'y en a pas trop. Shabbat Shalom, Git Shabbes, Shabbat Shalom, ou me voir. Rachmano le tav,
L'étave au vide, colmande au vide, rachmano, l'étave au vide, colmande au vide, rachmano, l'étave au vide, colmande au vide, rachmano, l'étave au vide. Giba Schmeichel jeden Tag, alles, alles ist recht Teube. Giba Schmeichel jeden Tag, alles recht Teube. Giba Schmeichel idale, alles, alles ist recht Teube. Giba Schmeichel idale, alles recht Teube. Komm an die Ovid, Rachmano, letab, letab, Ovid. Komm an die Ovid, Rachmano, letab, 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 Ovid. Komm an die Ovid, Rachmano, letab, letab, Ovid. Let's have a beat.